Salut les amis, ici Chaotic et on se retrouve pour une petite vidéo sur Minecraft sur Xbox 360. Et oui, je me suis dit que j'allais faire un petit let's play là-dessus pour vous faire plaisir car beaucoup d'entre vous jouent à Minecraft beaucoup sur PC, je le sais. Mais là, Xbox a fait des efforts et commence à se rapprocher de mieux en mieux au PC. Donc c'est pour ça que je voulais tester ça avec vous dans ce petit let's play. Donc, je me mets en difficile, normal, je mets aucune graine pour le générateur de monde, non, ça ne sert à rien, de toute façon, je ne connais pas. Voilà, donc je vais mettre chaotique, hop, chaotique. Et voilà. Donc en espérant que ce petit let's play vous plaira, je suis pas non plus un débutant, mais je veux dire je ne suis pas non plus un expert de Minecraft. Voilà, donc je vais essayer quand même de vous expliquer un peu le rôle de Minecraft, les petites astuces pour survivre, etc, etc, etc. Enfin voilà. Bien, c'est un let's play, ce n'est pas un guide pour bien débuter à Minecraft comme pourrait le faire TheFantasio974, mais ce serait plutôt voilà, quelques astuces sur Xbox 360 parce que il n'y en a pas énormément qui font des vidéos sur Xbox 360. Hop, voilà, donc ça c'est moi, et oui, et voilà, en allo, je suis un guerrier moi. Donc la première chose à faire, donc, c'est de récupérer du bois. Et récupérer à peu près une petite dizaine. Je pense que ça va être suffisant. Donc bien, parce que il va falloir se créer un atelier pour se confectionner des outils pour se créer un abri parce que la nuit tombe assez vite et vous verrez que la nuit, surtout là en difficile, les zombies arrivent et quand on est comme ça sans armement, sans armure, c'est très difficile. Donc la première chose à faire, ça va être se confectionner quelques outils de base en bois et de se trouver un abri. Se trouver un abri et même de la nourriture. D'ailleurs, je vais faire... Voilà. Je vais faire tout de suite ça. Faire ça. Ceci. Ceci. Ok, donc lui il est pour moi, il m'a rien donné, je vais essayer d'avoir un petit peu de steak. Voilà, deux steaks ça va être largement suffisant, pour le moment, enfin. Voilà, donc je récupère ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver... quelque part pour m'abriter, quelque chose assez élevé où je puisse me faire un petit trou, une petite grotte. Hop, on va sprinter un petit peu. Hop. On sait bien, c'est que maintenant sur Xbox, ça y est, ils ont fait la barre de faim, la barre d'expérience. Et aussi le sprint, ça c'est bien ça. Voilà, ici, parfait. Hop. Alors, on va récupérer un peu de pierre. La pierre va nous permettre de confectionner quelques outils en pierre, plus efficaces et plus durables dans le temps. Elle va durer plus longtemps.
j'optimise mon minage. Voilà. Voilà, je pense que ça va être suffisant là. Voilà. Alors, je vais me créer une petite porte ici. Je regarde s'il n'y a pas du charbon. Non, je vais devoir m'en faire moi-même. Donc, je vais déjà faire un petit trou. Voilà, pour poser mon atelier. Voilà mon atelier. Ensuite, je vais voir si je peux pas faire une porte. Voilà, je peux faire une porte que je vais mettre ici. Non, pas ici. Parfait. Récupérer un petit peu de bois en attendant. Ça va permettre de faire du charbon de bois. Voilà, j'ai récupéré un petit peu de bois. Voilà. Ferme. Et je vais me confectionner un four. Alors, un four. Voilà, un four, il est là. Je vais le mettre ici à côté. Voilà. Je vais faire cuire mon bois avec mes planches en bois. Voilà. Ce qui va me permettre de fabriquer du charbon de bois qui va me permettre de faire des torches. Et c'est très important les torches. La glace. Je vais aussi faire tout de suite me fabriquer des pioches et une épée en pierre. Voilà. Tout ce bruit là. Les bâtonnets. Enfin, tout ce qui est à base de bois se brûle quoi. Ça, allez. Ah non, pas ça. Bon bref, c'est pas grave. J'ai déjà 5 charbons de bois. J'en ai assez pour me faire quelques torches. Ce que je vais faire ça. Faire ça. Et ben alors, les torches. Je ne sais. Ah, les voilà. Ça y est. Hop, 20 torches. Alors j'adore la lumière moi, donc je vais faire ça. Voilà. Donc ça va, j'ai encore un petit peu de temps. J'essaie de fouiller, je vais essayer de regarder ce qu'il y a dans les environs, dans la hauteur. Ah, ça va, ça c'est bien ça. De la laine. Bon, je n'ai pas de cisaille, mais ça va. Je vais récupérer de la laine qui va me permettre de faire un lit, qui va me permettre de passer la nuit plus rapidement. Ah oui, d'accord. Ok. Donc mon objectif après, ça va être d'aller là-bas, d'aller vraiment plus haut pour voir ce qui se passe. Bon, pour l'instant, je sais pas si je vais avoir le temps. Je regarde ce qu'il y a là. Ah, ah bah voilà.
caverne. Donc je vais pas faire ça, je vais récupérer un peu de terre, vous allez voir pourquoi. Je vais faire un petit peu la méthode du petit poussé, on appelle ça. Donc je vais poser quelques petits blocs de terre qui va me permettre de retrouver mon chemin par rapport au point de spawn, sachant que quand vous dormez dans un lit, le spawn change, donc vous allez vous réveiller dans le lit. À côté du lit. Donc quand vous mourrez. Donc voilà. Hop, je fais ça, c'est pas grave. Je fais ceci, ceci. Voilà. Voilà. Fail. C'est pas grave. Hop. Et je vais commencer à miner. Voilà, non, d'abord, je vais me faire cuire mes morceaux de porc cru. Alors, pourquoi je fais cuire mes morceaux de porc cru? Parce que le porc cru ne vous rapporte pas autant de barres de faim que de la viande cuite. Voilà, c'est pour ça, c'est juste pour ça. C'est-à-dire, par exemple, un steak cuit comme ceci vous permet de récupérer 4 cœurs, je crois, que un steak pas cuit, 2 cœurs ou 2 cœurs et demi. Enfin, un truc comme ça, quoi. Voilà. Donc, je vais essayer déjà de trouver comme ça, voilà. Alors, vous voyez, voilà, moi je mine un peu comme ça, hein, du 2 sur 2. C'est pour, en fait, pour attendre la nuit. Hein. Parce qu'après, je vais faire un peu d'exploration, les amis. Alors, hop, on va mettre une petite torche. J'espère vraiment de trouver du charbon de bois avant de se quitter. Comme ça, ça va me permettre de faire beaucoup plus de torches. Hop. Alors, j'aurais dû me faire une pelle. Les amis, on va remonter. Comme ça, je vais vous expliquer encore quelques confections artisanales. Donc, on va faire ceci. Je vais me refaire quelques petites. Voilà. Et je vais faire une pelle en pierre. Et aussi, je vais faire quelques palettes, quelques planches pour confectionner un coffre. Et oui. Donc, un coffre, c'est... ça va être très 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 pratique. D'ailleurs, je vais m'en faire deux. Ouais. Voilà. Parce que. Alors, je vais faire inventaire. Je vais faire mes deux. Hop. Remplacé par le morceau de laine. Hop. Hop. Voilà. Et vous avez vu, la nuit est tombée. Difficile, mais apparemment il n'y a pas grand monde.
Pour ça, je vais faire ceci. Je vais essayer de récupérer un petit peu de cuir, les amis. Je crois que j'avais vu une autre vache. Je ne sais pas où elle est partie. Enfin bref, bon, j'ai déjà récupéré 3 steaks aussi, que je vais les cuire tout de suite. Voilà. Là, je vais mettre mon morceau de laine, ma pioche en bois et mon épée. La carte, je la garde. Le gravier, la pierre taillée, hop. Le silex, pareil, je jette. Ça, je laisse là. Ah, pardon les amis. Autant pour moi. Donc, je vais faire comme ça. Désolé, un petit peu maniaque sur les bords, c'est pas grave. La pelle. Hop, hop. Voilà, je vais faire comme ça. Donc, je vous ai montré le coffre. Hop. Voilà, j'ai mes 3 morceaux de steak. Morceaux de steak que je vais pour l'instant mettre ici et je vais continuer à creuser. Et on entend déjà les zombies. Ah voilà. Ça, c'est bien. Du charbon, je vais en avoir besoin. Je vais faire ça et je vais continuer un petit peu à creuser. Ok, j'aurais dû me faire une autre pelle en pierre. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. On va remonter. Et... Oh, la neige magnifique. Et c'est sur cette fin... Bon, d'accord, je l'avoue les amis, on n'a pas fait grand-chose sur cette vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, les prochains épisodes arrivent prochainement. Et je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Salut, ciao, bye bye.